Salut tout le monde, c'est Golden et bienvenue sur l'épisode 3 du Let's Play sur Portal 2. Là on vient de tomber de très haut dans cet endroit pas très rassurant et on va devoir trouver un moyen de partir, de s'évader. Donc allez, on suit le chemin, le seul chemin disponible, donc c'est par là-bas. Alors là, vous devriez remarquer qu'il n'y a plus de lag, plus aucun souci, je suis avec les qualités des graphismes au maximum. On n'a plus aucun bug ni rien avec Fraps car j'ai changé. Je ne filme plus avec Fraps. Je dis ça pour les personnes qui... pour les youtubeurs qui regarderaient cette vidéo. Je filme maintenant avec le logiciel... Hop. Le logiciel qui s'appelle Shadowplay. C'est un logiciel d'enregistrement gratuit pour les personnes, uniquement pour les personnes qui disposent d'une carte graphique GeForce, Nvidia GeForce GTX 600 ou plus. Voilà, c'était le petit conseil de Golden. Logiciel très sympathique qui fait pas ramer, même pas un poil, ça fait pas ramer un poil. Là je joue, avant quand je jouais, je tournais en même pas 30 fps pour les deux premiers épisodes. Là je suis en je suis à 260 fps à peu près. Là je tourne à du 260 fps, ça enregistre à du 260 fps, 170 maintenant, 190, mais en tout cas c'est très élevé. Et ça avec aucun lag, vraiment aucun lag. Donc je le recommande vraiment aux youtubeurs qui ont une bonne carte graphique GeForce GTX 600 ou plus. Voilà. Alors maintenant on va devoir, est-ce qu'on peut mettre un portail? On peut pas mettre un portail là. Alors comment? Bon, on va sauter, écoutez. Hop, on a sauté. On a trouvé un moyen de partir de là. Donc allons tout droit, écoutez. Allons tout droit par là. Et peut-être aussi par là, en suivant le petit chemin au sol. Ah bien sûr, ça sert à rien que ça filme en 250 fps, vu que YouTube il prend que du 30 fps, il me semble. Il prend pas plus. Mais bon, c'est déjà agréable à jouer et surtout agréable à jouer. C'est mieux que du 30. Alors ok. L'inconvénient de ce logiciel, attendez, j'ai donné le nom ou pas? Je sais même plus si j'ai donné le nom. Alors le nom c'est, je crois pas, c'est Shadowplay, S-H-A-D-O-W-P-L-A-Y. J'ai zappé si je l'ai dit le nom. Bref, Shadowplay. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'il permet de filmer à beaucoup d'FPS. Mais l'inconvénient, c'est que... le problème, c'est que il ne peut pas filmer sur tous les jeux. Il y a certains jeux qu'il n'accepte pas. Voilà. Alors, peut-être poser un portail là-bas, si on peut. Non. Ou peut-être... attendez. Pas poser de portail par là. Comment je fais alors? Là. On ne peut pas non plus. Là, je peux poser un portail là, mais je sais pas où. Autre part. Où c'est qu'il faut le mettre l'autre? Non. Bah, j'imagine bien qu'il faut aller par là-bas. Hein. Oh, regardez ça. Magnifique. D'accord, ok. Fallait regarder au plafond. Très haut. Ok, on est arrivé là, ensuite portail ici et j'ai vu qu'en bas on pouvait en placer un. Ok, on arrive, ensuite, ben on tombe. Youpi, ouais, on arrive en bas, do not enter, keep out, partez de là, allez, faut pas rentrer. Mais si, on y va, on est des dingues nous, on est des fifous, eh oui les gars, allez. Pas très rassurant tout ça. Maintenant on est dans un univers très sombre. Avec des bruits chelous. Surtout très sombre. C'est ça qui fait un petit peu peur. Moi j'ai peur. Ah, un levier. Oula. Oh yeah. Oh yeah, les lumières. Je me rappelle de cet endroit. Avec cette gigantesque porte trop classe. Alors maintenant nous allons... Ah bah regardez. On va monter à l'escalier. Allons monter à l'escalier, même ça ira plus vite de faire ça. Hop, on est arrivé, ok. Alors là, on a un bouton. Ah, regardez, là-bas, on a un compte à rebours, ok. Donc sûrement, il faut appuyer sur un bouton qui est là et un bouton qui doit être là-bas, tout derrière, par là-bas. Regardez. On met un truc comme ça. Mince. S'il te plaît, s'il te plaît, mince. Alors là, je me suis fail, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Un petit peu au-dessus. Voilà, et ensuite on va le replacer juste comme ça on peut faire hop. Et hop, ha. Voilà. Et comme ça on a ouvert
Bon, on a ouvert ce truc là. cette grosse porte. Je sais plus ce qu'il y a derrière. On va voir ça tout de suite. Attendez, je prends un petit peu de recul pour voir bien la chose. Comme ça, c'est de la porte. Ah, ça, c'est de la porte où je m'y connais pas. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Allez, on va aller dedans. Et c'est très sombre à l'intérieur. Attendez. Ah d'accord. Attendez, ils ont mis une porte de taré pour une petite porte comme ça. D'accord. Ok, je comprends. Écoute, au mieux favoriser la sécurité, hein. Oui, ok, d'accord. Sécurité, bon, après, c'est très facile à ouvrir, mais bon. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, je dis rien. Allez. Où c'est qu'on va arriver? Je vous le demande. Suspense, les calamars. Olé, alors. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, déjà, on a de l'eau. L'eau, c'est dangereux. On ne doit pas aller dans l'eau. Danger, ouais, c'est très dangereux, l'eau. On doit éviter l'eau. Alors, on va suivre ce petit chemin. Ok. Oh là 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 là, il y a tout qui se détruit. Il y a tout qui se détruit. Sinon, à part ça. Ok, on va aller par là maintenant. Ici. Oh, oh regardez, on peut mettre un portail là. Ah, qu'est-ce qui... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai appuyé sur la molette, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a? Pas y aller, hein. Pas... Ah, ah. Ah. Oh. Bah, je sais pas si c'est le bon chemin, mais moi, j'y vais, hein. Oh, ah mince. Attends, on va essayer de sauter par là. Comme ça, pour aller je ne sais où d'ailleurs. Pour aller où? Où est-ce qu'on pourrait on va peut-être pouvoir... Attendez, aller vers ici là. Donc attendez, on va replacer un portail et hop. C'est bon. Mince. Ah, je me suis trompé de direction. Ça ne va pas, attention. Ah non, ça ne va pas, j'ai pas réussi à y aller. Comment je vais faire? Attendez, je vais réessayer. Hop. Tac, on est arrivé. Ok, alors après, peut-être mettre un truc là, genre ici. Et là, maintenant, sauter dans le portail orange. Oh, un petit peu trop haut là. Alors, on repère où c'est qu'il était. On va plutôt le mettre genre un petit peu plus bas, ok. Attention, on revient, mince. Ah non, c'était pas bon, il fallait pas faire ça. Voilà, y aller doucement. Ah, attendez, je vais le mettre un peu plus bas vers là. Voilà, allez, attention, on ressaute. Oui, on a réussi. Alors après ça, nous avons une porte ici. Une porte avec derrière, je ne sais pas. On n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, non, je suis. Oh, d'accord, je suis retombé comme une bouse. Yes, oui, retombé comme une bouse. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Non, on ne peut pas y aller par là-bas. Attendez, je vais réessayer. Hein. Je vais réessayer depuis l'eau debout, ok? Depuis, hop, l'eau debout. Alors, attends, on va le replacer. À peu près vers là. Et attention, le saut! Magnifique! Alors, cette fois-ci, on va bien par là. On est arrivé ici. Ça ne va pas là parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun bouton. Je croyais qu'il y avait un bouton par là, mais non. Mais non, pas du tout. Comment on va se débrouiller là? Je ne sais même plus. Cendrier. Comment on va faire, mince? Comment on va se débrouiller? Pas placer un portail derrière. On peut rien faire. On ne peut rien faire.
On ne peut rien faire, ça c'est triste. Comment? Attendez, attendez, on va pas rester bloqué par là. Comment? Attendez, on va analyser la situation, d'accord? On va analyser la situation. La situation, c'est quoi actuellement? Peut-être qu'il faut aller par la porte là-bas. Il faut aller à la porte qui se trouve tout là-bas. Donc pour cela. Pour ça, on peut pas. Non. Analyser la situation. Nous avons une porte par là. Ok, une porte par là. Peut-être il faut aller par ici. Donc pour aller par ici, il va falloir passer derrière. On est d'accord, il va falloir passer derrière. Mais on n'a pas de panneau blanc. On n'a pas de panneau blanc pour poser le portail. Donc là, on peut le dire, c'est mort. Attendez, je vais remonter en haut pour jeter un coup d'œil. Non, on n'a qu'à faire ça. Oh, j'ai compris. Regardez, j'ai compris en fait. Regardez, j'ai compris, j'ai compris. J'ai tout compris. Ok, regardez. Nous allons mettre un portail là et sauter. Allez, et dans le... Oh, magnifique, splendide. Et voilà, j'ai trouvé. Ha. Chaque jour, on effectue un bon millier de tests sur les sphères d'enrichissement. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Les sujets affectés au test du gel répulsif, suivez la ligne bleue sur le sol. Hop. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthe. Prenez une arme et suivez la ligne jaune, vous saurez quand le test commence. Moi, je suis le chemin toujours, hein. Le monde d'un ascenseur jusqu'en haut, je sais plus qu'est-ce qu'il y a en haut, mais bon. Il y en a ça plus. On aurait peut-être pu monter avec l'escalier, mais ça aurait été un petit peu plus long, j'imagine. Alors, qu'est-ce que... Ah d'accord, fallait que je regarde derrière, ok. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a un panneau, enfin on peut mettre un truc là. Ok, d'accord. Ça, je comprends tout à fait. Sinon, ici, c'est quoi? Bah, ici, c'est le vide total. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez, ici, on a un portail. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool, un portail. Donc, allons-y. Allons voir qu'est-ce qu'il y a. Sans tomber, s'il te plaît. Merci. Alors, après, là, c'est... Si vous avez besoin bloqué. D'aller aux toilettes, bloqué. Pour information, mince. Pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur. Hop. Hop. Non, c'est pas la peine toujours. Attendez, je vais quand même replacer le portail là et aller voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Comment on pourrait se débrouiller pour arriver à faire un saut de dingue pour arriver tout en haut là-bas? On a trouvé un moyen de se faire expulser comme ça vers ici, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais bon. J'imagine que ça doit être ça. Oh, attendez, j'ai compris. J'ai vu en dessous que on avait accès. Regardez. J'ai vu que là, on avait accès et on pouvait tomber et en bas. Oui, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc le portail bleu là-bas. Maintenant, le portail orange là et c'est le saut. Ouais. Ouais, on a réussi, magnifique. Hop, la porte. Ouais, bien. Alors maintenant, un bouton. Ça allume. Tac. Ah ben d'accord, ça s'est ouvert. Ok. Encore une porte. Alors celle-là, je pense pas qu'elle s'ouvre. Non, elle ne s'ouvre pas. Faudrait arriver là-bas. Comme ça. Attention. Ah, on n'arrive pas à sauter. C'est pas grave. Allons sauter comme cela. Hop. Ah mince. C'est un fail. C'est un fail total. Mais on se rattrape. Ah non. Oh mince. Ah la chute. On va se rattraper comme cela en arrivant tout en haut. Et après on revient jusqu'ici. Alors après, on peut peut-être aller, voilà, sur le tuyau. Et on rejoint cet endroit là.
Et c'est la fin. Voilà, c'est l'ascenseur de fin, hein, comme on avait au début du jeu. C'est pareil, sauf que c'est pas au même endroit. Ça y est, on a fini le premier test de Aperture Science Innovators. Et on va devoir tous les finir, je crois, pour remonter à la surface. Pour tenter de remonter à la surface. Oula, wow, c'est très bien éclairé tout ça. Le premier test te porte sur, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, bon. Pareil. Alors, on a une porte par là. Hop. Alors maintenant, voici un nouveau composant de Portal 2, une nouveauté de Portal 2, c'est ce gel là, ce gel bleu. Ce gel bleu qui nous sert en quelque sorte à rebondir, ça nous fait rebondir. Ça c'est cool, ça c'est très cool. Et on va devoir s'en servir eh bien pour rebondir correctement, pour finir les tests. On va aller par là-haut pour voir qu'est-ce qu'il y a. Alors là ça a activé, attendez, ça a activé quoi? Ah d'accord, ça a activé la porte là-bas. Je vois. Donc on doit mettre un cube là pour activer. Ben pour activer ce bouton. Et si je saute par là, attendez. Est-ce que... Oui, magnifique. On a récupéré le cube. Oui, magnifique saut. Et maintenant, hop. Encore un magnifique saut. Et on remonte et c'est fini. Je n'aurais pas dû parler du groupe témoin. Disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Mince. Comment on va faire maintenant? Il y a un panneau. Un pan placé là, d'accord. Ok, je comprends. On peut. Non, on peut pas là. Donc ici par contre on peut. En bas là-bas, c'est de l'eau. C'est pas bon. L'eau c'est pas bon du tout. La sortie elle est là, non? Je crois. Comment on va faire? Ah, regardez ça! Ah! Ah 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 ah! Youp! Après, on va pouvoir peut-être sauter sur cet escalier. Ok. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, un milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Cool! Y a moi. Alors, alors ce nouveau test, la sortie elle est là-bas. Ok, la sortie elle est là-bas. On va devoir activer ce bouton là je sais pas, pour casser ce champ là qui détruit les objets. Je comprends un petit peu. Je comprends un tout petit peu. Ok, alors déjà, hop, on va aller sur la passerelle. Alors passerelle elle est partie, on attend juste qu'elle revienne. Allez. Elle arrive. Ah, attention. Youp, allez, on est sur la passerelle, on récupère le cube. Le cube on va l'amener sur le bouton là-bas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le cube il est parti, ça a envolé. Hop. Ok, on pose ici. Ce qui permet... attendez. Ok, d'accord, je comprends. Ça active ce portail là. Je vois. Donc on va revenir ici. Sauter comme ça. Et hop, allez. Magnifique. J'adore. Hein. Oula, c'est trop classe ce truc. Ouais, on rebondit sur les murs, c'est fantastique. Oh, trop classe. Ça, c'est trop stylé. Ou je m'y connais pareil. Ah ouais, carrément. Hop. Hop. Allez, maintenant, on active. Ça permet à quoi, ça? Attendez, j'ai pas vu à quoi ça permet. Ça permet d'activer... Ah, ce truc-là, d'accord. Mais pour partir, en gros. D'accord. Hop. Pour s'en aller, pour aller vers la porte exi. Youp, c'est la fin. Ah, au fait, si vous avez
été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. Je vois. Et comprends, donc nous avons le gel répulsif, mais on en aura aussi d'autres gels. Je crois qu'il y en a trois différents, ou deux ou trois, ouais, deux ou trois différents. Je ne sais plus du tout lesquels, à vrai dire. Ça fait trop longtemps que j'ai joué, je ne sais plus du tout. Mais on va bientôt les voir, ces nouveaux gels. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. J'avoue. Bon, maintenant, on devrait peut-être essayer d'aller par là-bas. Ah, j'avais pas vu, il y avait un pont là. Je cherchais un endroit où placer mon portail, mais nous avons un pont, donc c'est plus simple. Hé. Hey. C'est beaucoup plus simple. Alors après, on va devoir, je sais pas, je vois même pas la sortie où c'est calé. Elle est sûrement en haut, là-bas. Hop. Yop. Ça. Qu'est-ce qu'on a, alors? Qu'est-ce que nous avons? Non, c'est rien, ça. C'est rien du tout. Comment on va... Oh, regardez ça là-bas. Ça, c'est intéressant. Regardez, yup, on est arrivé par... Oh, bien. Bien, magnifique. Vous inventez vos propres règles, comme moi. Hop. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un. Oh. Rien n'affiche, c'est cher. Oh, stylé. Ça, c'est stylé, les gars. Ha. Ça, c'est trop stylé. Par exemple, on veut en envoyer un là, comme ça. Hop. Et un là. Hop. Et puis un là. Hop. Ha. Magnifique. J'adore. Hein, même là-bas. En fait, on en met partout, quoi. C'est excellent. C'est trop excellent, ce truc. Tac. Attention. Allez. Et on va pouvoir même sauter par là. On va même en mettre un autre ici. Quand tu voudras arriver. Voilà. Pour monter ici. Et bien après, je ne sais pas moi. Peut-être un par là. Comme ça. Hop, allez. Et puis. Sinon, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est ici qu'on doit aller. C'est la sortie par là-bas. Mais comment. Comment allons-nous faire pour y aller? Ah, ben regardez. Si on met un machin pour sauter ici. Et qu'on rebondit, on va pouvoir aller là-bas. Hop. Hop. C'est cool. C'est très très cool. Et ben regardez, ça va envoyer une... Ah mince, ça marche pas. Ça va envoyer une boule. Oh, jusqu'ici. Là. Magnifique. Et donc maintenant, si on met un portail bleu là, et qu'on saute dedans, normalement on arrive jusqu'à la sortie tout seul. Hop. Et hop. Trop beau. Calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. Y a voix. Moi, j'aime beaucoup ces parcours-là en sous-sol. Je trouve que ça change beaucoup, que ces murs blancs, tout le temps ces murs blancs. Là, ça change. Là, il n'y a pas de mur noir et blanc partout, ça fait plus industriel. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler-7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous, ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer rapidos. Ok, alors là, nous avons un nouveau liquide, c'est de l'eau, hein. C'est ce qui semble être de l'eau. En fait, ça permet de nettoyer... Eh ben, les autres gels. Par exemple, si je fais arriver de l'eau par là, eh bien, ça va faire nettoyer. Ça va l'enlever. Voilà, ça va l'enlever littéralement. Alors maintenant, comment. Qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac. Allez, c'est la chute de l'infini.
Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop magnifique. Par contre, je suis un petit peu bloqué là, on peut se le dire. On va essayer un truc. Comme ça, comme ça. Ah non, ça va pas. Faudrait que j'arrive à couper l'eau. Faut... Oh, en fait, d'accord, faut que j'atteigne. Je comprends. Mince. Faudrait que... Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il faut que j'atteigne, en fait. Regardez. Non, ça marche pas comme ça, non. Ça ne marche pas comme ça. Faudrait que j'atteigne ce bouton, là. Tac. Tac. Hop, play. Maintenant, on peut... Là. Mince, ça va pas. J'ai rebondi sur le mur, c'était pas prévu. Ouais. Mince. Ça va pas là. Ah non, d'accord, mince. Ah non, ça l'a enlevé. Attendez, là cette fois-ci c'est la bonne, attention. C'est bon. Cette fois-ci c'est la bonne, on attend que... Que ça y aille, dépêche-toi, merci. C'est le saut. Splendide. Splendide. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Ah. Conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous comme pour vous. Ok. Alors maintenant, nous devons aller en haut là-bas. Pour aller en haut, là-bas, nous devons peut-être sauter. Non, on peut pas sauter. D'accord. Alors, peut-être aller comme ça. Là, et sauter. Ah, ça ne va pas. Attendez, on va en remettre là, par là. Ça a permis de... Ouais, ça c'est bien ça. Mais je crois qu'il faut en mettre plusieurs. Je crois qu'il faut en mettre plusieurs pour que vraiment que ça fasse une flaque. Voilà. Là, ça a fait une flaque. Maintenant, ça va marcher. Regardez. Si je fais... Ça. Ça. Je peux aller en haut ou pas? Non, je peux pas. Shift pour empêcher les rebonds. Non, moi je veux faire un rebond. Oh, regardez si on va sur le mur là. Oh, d'accord. Non, j'ai compris. Là, regardez. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Trop bien. Maintenant, on va en haut. Comme ça. Non, ça va pas. Non, ça va pas du tout. non. Je veux remonter. Mince, non, ça, c'est loupé. C'est loupé, c'est loupé. Non, moi je veux aller comme ceci. Voilà, en haut, tout simplement. Mettre ça, ça, sauter dedans. Et là, ça me fait rebondir. Ah ah ! Magnifique. Après. Après, après, après. Bah, on va mettre un portail en bas. Comme ça. Et puis, faudrait genre en mettre un autre pour y aller. Comment je vais me débrouiller là? Faudrait que j'arrive à sauter comme ça. Non, ça va pas. Mince. Ah, mais on retombe, d'accord. Ça, c'est l'une des premières salles qu'on avait. Enfin, la salle avec l'eau. L'eau qui tombe. Oui, c'est l'eau qui tombe. C'était la salle du dessous. D'accord, je comprends. Je comprends tout à fait. Ok. Je vois. Oh, c'est derrière. J'avais pas vu derrière qu'on avait un chemin en fait. Ok. Nickel. Nickel chrome. Easy pose. Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller par là-bas pour récupérer ça. Voilà, le gel répulsif. Il faut le récupérer pour l'envoyer ici. Parfait. Mais ensuite, on va devoir mettre un portail bleu comme ça, sauter dedans, rebondir et aller là. Magnifique, c'est trop easy. Easy posay. Easy posay money. Et bah après, après je ne sais point. Après, par exemple, on pourrait leur mettre un portail là-haut comme ça. Ça marche? Ouais, ça marche. Et c'est fini. D'après les gars du labo, ce serait une réaction crainte. Sans être comme si, venant d'une bande d'un théo pas foutu d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégrafer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Qui est allé dans l'espace? Qui a participé au débarquement? Qui a décroché une médaille d'or? Eux? Ça me ferait mal.
Oh, bien. Ça, c'est cool, ça. Oula, regardez le cube, il est en train de tout péter. Oh. Oh, trop stylé. Oh, trop stylé, en fait. Oh, trop classe. Par contre, il est parti où? Ah, d'accord. D'accord, ok. Attendez, il faudrait peut-être le nettoyer, alors. Voilà, on n'a plus le nettoyer. Va falloir maintenant le poser sur un interrupteur qui se trouve je ne sais où. On va voir là, on va voir avec un petit point de vue de haut. Non, s'il te plaît, je veux juste voir. Non. Voilà. Non, je suis pas au bon endroit en fait. Moi, je veux aller là-bas. Comme ça. On va avoir une vue de haut. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut aller là-bas, d'accord? Faut aller par ici. Faut aller par là-bas. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Eh ben, si j'en pose un peu par là, ça va le faire. Regardez. Hop. Et là maintenant, si je saute, comme ça. Oh non, il y a une grille. J'avais pas vu cette grille, mince. Il y en a lavé par vous. Oh non, j'avais pas vu, excusez-moi. J'avais pas vu ce bouton par là. Bien. Cool. Et après ça, il faudrait que ça remonte maintenant. Comment on va faire remonter là? Faudrait enlever le bloc là-bas. En fait. Regardez comment ça allait vite, c'est trop classe. Oui. Bien. Nickel. Alors là, j'approuve. Là, j'approuve totalement. La bonne question, ce n'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Oui, la science est souvent dangereuse. Et alors, si vous avez tellement peur de vous mouiller, mettez des couches et retournez au jardin d'enfant. En tout cas, vous êtes viré. Non, pas vous, le cobaye. Oui, vous, vos clics, vos claques, cassez pas. Ne touchez pas à 1000 francs, ciao. LOL. Loliloul, laliloul. Là, ça commence à se compliquer un petit peu les levels. Et c'est toujours facile, hein. Si je puis dire, c'est toujours assez facile quand même, hein. C'est pas hyper compliqué. Juste un petit peu réfléchir. Et puis, c'est réglé. Allez, go. Félicitations. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique. Yeah. En tant que fondateur et directeur d'Aperture Science, je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour d'autres tests. On n'a pas l'intention de commercialiser ça avant d'avoir tout bien peaufiné. Donc, tant que vous garderez une forme optimale, il y aura toujours une limousine qui vous attendra. Dis bye bye Caroline. Bye bye Caroline. Oh. Une paire cette fille. Mais c'est déjà la fin? C'est déjà la fin du niveau? Non. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal, je suis pas allé au bon endroit alors. Je n'ai pas dû aller au bon endroit. Bizarre. Peut-être par là-bas. On va essayer d'aller par là-bas. Ouais, ok. Ah, ici nous avons une porte. Bien, une porte qui mène, je sais pas où. Hop. Pour aller en haut. Merci bien. La porte, on ne peut pas l'ouvrir. Par contre, on peut aller. Est-ce qu'on peut se téléporter vers le haut? Oh, je suis tombé comme une bouse. Ah, d'accord. Non, mais j'ai compris. J'ai tout à fait compris le truc. Donc, regardez, on remonte. Comme ça. On est remonté. Tac. Tac. S'il te plaît. Voilà. Ensuite, on va. Hop, on va replacer comme ça le orange et aller dedans et ha, trop classe. Bon, maintenant, ouh, regardez, on a deux boutons. Moi, je sais pas à quoi ça sert. J'appuie dessus. Ah, ça a activé les tuyaux apparemment. Le gel flow et le gel flow. Ouais. Bon, d'accord. En tout cas, ça a ouvert aussi la sortie. Maintenant, vers là. C'est tellement gigantesque à chaque fois. C'est trop classe. Alors à présent, nous allons peut-être aller en haut pour avoir une vue d'ensemble. Kev Johnson,
directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Black Mesa, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner $60? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Oula! Ah, je me suis fait carrément expulser, mais là c'est le mot. Expulser, je suis pas allé au bon endroit là. Ah, pas du tout au bon endroit, monsieur, je vous le dis. Ah ouais, là. Violent. Et d'accord, je reviens par là. Super! Super, j'adore. Attendez. Hop. On le met le plus haut que possible, tout là-bas. Ensuite. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture. Hop, Science. Cette fois-ci ça a marché. Non, ça a pas marché. Comment ça se fait? Suite à la catastrophe aérospatiale. Comment ça se fait? Et vous avez oh, là-bas on peut y aller ou pas? Au moins une de nos inventions, ou les villes plagiat. Ah oui, on peut y aller. D'accord. Donc on a des bureaux. Il faudrait un bouton, genre un bouton pour je sais pas quoi. Oh, non, sérieux. Un truc pour récupérer les tickets. Non. Permettez-moi de vous répondre par une question. Ça ne va pas. Qui veut gagner $60 cash? Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Et maintenant. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Ouh, attendez, j'ai peut-être trouvé cette fois-ci. Si on devait plutôt faire ça et ça. Hop, allez, pour aller ici. Tiens, oh. Vous êtes une meurtrière compétente. Pourriez-vous, pareil, tuer cet oiseau? Oh. Ouf, merci. Salut. Vous avez senti? Cet idiot n'a aucune idée de ce qu'il fabrique. Si une certaine personne n'arrive pas à le débrancher, tout le centre explosera d'ici quelques heures. C'est GLaDOS. Nickel. Le générateur de portail doit être composé de magnésium. J'ai l'impression d'émettre un demi-volt de plus. Surveillez-moi, je vais tenter de réfléchir. Ah ouais, ça a avancé la... Ah d'accord, ça c'est cool. Ça a avancé correctement. Combien de temps ai-je été désactivé? Un demi-volt, c'est toujours ça, mais ça ne fera pas de miracle. Si je réfléchis trop, je risque de griller cette patate avant même de finir calcinée dans le déluge atomique que ce petit abruti va... Hop! Attention! Allez, cette fois-ci, on y va! Oh, mais on a réussi! Classe! Clac, clac, classe! Et on a récupéré GLaDOS au passage! Donc maintenant, on doit remonter à la surface pour qu'elle récupère son corps, d'après ce qu'elle nous dit, et peut-être qu'elle nous libère! Est-ce qu'elle va nous libérer? Telle en est la question! Allez! Réunion! Chapitre 7! La zone de test est droit devant vous. Plus vite vous avancerez, plus vite vous aurez vos $60. Alors. Darlene, les chèques cadeaux sont prêts. Monsieur Johnson, qu'est-ce que... C'est qui ça? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, cette salle a l'air un petit peu plus compliquée. En fait, plus elles sont grandes, plus c'est compliqué à tout bien comprendre. Déjà, on va aller peut-être en haut, là. Voir qu'est-ce qu'il y a par là. Alors ici nous avons un bouton qui permet... Ouh, c'est un nouveau gel ça. Il sert à quoi celui-là déjà? Il sert à nous faire aller vite. D'accord. Ok, il nous permet d'aller vite. Je comprends. Tout à fait. Oh, d'accord. Non mais d'accord, j'ai compris. Là j'ai tout compris. Regardez. Hop. Ça nous a fait un joli tapis. Très joli tapis. Et maintenant, regardez. Hop, et on court et on saute. Bien.
Et même, on peut placer un truc là pour revenir. Et attendez, on peut pas directement. Voilà, il y en a un bleu là, donc un orange ici. On revient. Après, on remplace le orange. On met l'orange là. Et c'est parti. Bien. Bah le... Attendez, maintenant quand je vais faire... Faut mettre le bleu. Ouais. Il y a l'orange qui est tout là-bas. D'accord, on est d'accord. Il y a l'orange qui est tout là-bas. Là, j'ai peur par contre. J'ai un petit peu peur. Comment je vais pouvoir me débrouiller? Faudrait que j'envoie un gel. Le gel, faudrait que je l'envoie par là. Comme ça, par exemple. Mais ça va pas parce que le... Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mince. Ah d'accord. Alors attendez, on va faire ça. On met un portail là, comme ça. Ensuite on va prendre de l'élan. Hop les. Et encore de l'élan. Hop les. Et maintenant on peut sauter comme ça. Et activer comme ça et comme ça. Et aller dedans. Ok. Ça a mis du gel. Ouais, bon, d'accord. Bon. Faudrait... On va récupérer celui-là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais poser un portail là. Écoutez. Parce que... Bah si, on va pouvoir faire la marche arrière, en fait. Je pensais qu'on était bloqué, qu'on pouvait pas faire la marche arrière, mais... Mais si, en fait. Regardez, hop, et on revient avec notre cube. Notre cube qu'on doit sûrement placer là. Tac. Wow, bien. Là, ça va nous faire décoller. Hop, magnifique. Alors, après ça... Il faudrait qu'on active le bouton qui se trouve tout là-haut. Je vois. Il y a voix. Par exemple, si je mets un portail là aussi. Et que cette fois-ci, je fais l'inverse. Carrément l'inverse. Et que je vais foncer dans le mur comme ça. Oui! Trop classe! Vite! C'est bon, on a réussi. Ok, ça c'est du gel répulsif. Ça c'est du gel qui permet de courir. Ok, regardez ça. Hop, on va faire venir comme ça. Youp, ça nous a fait un couloir. D'accord. Ah d'accord, j'ai compris. Et ensuite à la fin, comme ça, on met un gel répulsif pour sauter. Là, ça devrait marcher. Si on court comme ça, ça va nous faire sauter. Excellent. Mais après, je vois qu'on a accès là. Ça. Ouais. Faudrait genre... On va mettre ça comme ça. Alors attendez, faudrait que... Ok, j'ai compris. Mince. Ah non, on peut pas mettre en dessous. Non, d'accord, ok. Ok. J'ai compris que je me suis fail en fait. Alors, on réessaye le saut. Oui! Oh, mais nickel! J'ai même pas fait exprès en plus. Je voulais mettre un portail et j'avais zappé que, ouais, que ça aurait pu marcher. Ouais, nickel. C'est parfait. J'approuve beaucoup. Bon, écoutez-moi bien. Ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. Je reconnais, j'en suis sûr. Ah là là. Aperture. Ah, regardez, le logo, il a changé. J'ai pas vu ça. Je sais pas si ça y est depuis longtemps. Non, je crois que c'est bien juste de changer à l'instant. Pour ce chargement-là. Allez. Si ça vous tente de gagner $60 de plus, avisez-en un préposé au test.
Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 beaux billets dans votre sébille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Bon, merci. Bon. Alors, c'est parti pour un nouveau test. La sortie se trouve... là-bas, tout là-bas. Ça va être compliqué, je sens. Alors, comment nous allons nous débrouiller? Alors, peut-être en mettant genre du gel par là-bas, comme ça. Vu qu'on sait qu'il faut aller en face, tout là-bas. Oh, regardez. Oh bien. On est allé loin là, comme ça. Mais pas assez. On est allé loin, mais pas assez. Hop. Alors on ressaute. Ah, mais d'accord. Regardez. Là, on a sauté sur ce truc là, mais il n'y avait pas de gel répulsif. Donc on en met. Et là, ça va nous faire aller beaucoup plus loin. Eh oui. Parce que vous êtes prêts. Là, c'est le grand saut. Hop. Hop. Youpi. On a récupéré le cube. Le cube qu'on va devoir mettre. Je sais pas où. On va le ramener déjà. Hop. On l'a ramené. Bon. Où c'est qu'il faut le mettre, ce cube là? Je ne vois pas où c'est qu'il faudrait. Oh, là-bas. On a aussi un truc par là-bas. Ok. Comme ça. Allons-y. Posons le cube pour voir qu'est-ce que ça va faire. Allez. Alors ça... Attendez. Est-ce que c'est une plaque blanche? Ah non, ce n'est pas une plaque blanche. Je réfléchis. Genre, si on mettait un répulsif là, sur ce truc là. Si on mettait genre un répulsif, attendez. Que je réfléchisse. Déjà, je vais revenir. Du répulsif comme ça. Jusqu'à là-bas. Ok. Testons. Alors maintenant, il faut mettre le truc orange par là. On met du répulsif dessus. Je crois qu'il y avait un truc comme ça pour finir le niveau. Maintenant, on peut le retourner. Ok, c'est fait. Ensuite, on va revenir. On est de retour. Oh, il s'est enlevé. Comment ça se fait? Attendez, il y a un souci là. Le cube, il s'est cassé. D'accord, le cube s'est cassé. Ok, je comprends. Peut-être c'est ce gel là qui... ce gel là qui supporte pas. Enfin, le cube qui supporte pas ce gel. D'accord, je dois tout recommencer en fait. Je comprends, ok. Bah, allez, c'est reparti. Hein. Hop. Hop. Magnifique saut. On récupère le cube. Yup. Là. Ensuite, on va repartir. En mettant un truc là. Puis un truc là-bas. On va sauter dedans. Comme ça. Après. L'orange. Comme ça. Hop. Trop bien. Nickel. Ensuite, on va mettre ça comme ça. Ok. C'est bon. Alors, comme ceci. Et revenir comme cela. C'est bon, ça s'est retourné. Là, il n'y a pas de soucis ni rien. Hein. On est d'accord. Il y a bien le gel dessus. Il y a bien le gel, ok. Alors maintenant, on peut revenir. Comme ça. Il n'y aura pas de soucis, il va pas se détériorer le cube. A priori. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a du gel répulsif juste là. Il faudrait qu'on arrive à aller dessus. Ah ben, j'avais pas vu le truc là-bas, d'accord. Il n'y en avait pas vous du tout. Là et là. Oula. Attention quand même. Attention les gars. Après, on va revenir. S'il te plaît.
Merci. Ouh, attendez. Et si plutôt... Voilà, on mettait ça comme ça. On revenait comme ça. Voilà, non. Merde, mais qu'est-ce que... Non, je voulais pas le mettre là, le truc. Là, comme ça. Ok, maintenant si on revient, ben c'est bon. On va y aller. J'espère que ça a marché par contre. Oui, parfait. Rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. On sait comment remettre les morceaux en place après. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Celui-là, il était pas easy, hein. Celui-là, il était pas facile non plus, hein. Ah ouais. Moi, c'était bien. Celui-là, il était bien. Très technique. Plein de choses différentes à faire. Plein de choses différentes. Ok. Nouveau chargement aperture. Aperture. On est arrivé par là. Alors maintenant. Merci ces gens-là. Merci d'avoir assez désolé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez-les avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons et des sacs poubelles ici. Je sais bien que pour vous, $60, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? N'importe quoi. En fait, ce test, les tests étaient réservés au clodo, si vous n'avez pas compris. Au SDF. Vas-y. Réfléchis bien. Bon, il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen d'aller là-bas. Tout là-bas. Pour cela, je ne sais pas comment on va faire. Ah, je ne sais pas du tout comment on va se débrouiller. Mais du tout. Hop. Là. Mouais. Hop. Il n'y a pas de quoi s'envoler très haut en fait. C'est pas super. Hop. Sinon ici nous avons une porte. Oh salut. Ah mais c'était là qu'il fallait aller. D'accord. Ensuite on a une salle des commandes apparemment par là. Avec trois manettes. 1, 2, 3. Oula, en plus ça a activé des pistons et tout. Je vais me faire écraser ma gueule. Mais non, je vais pas me faire écraser. Ah. Oula, c'est le bordel là, oui. Oh, ça c'est un nouveau. Ça c'est un nouveau apparemment. Il sert à quoi celui-là? Il sert à quoi? Je sais pas à quoi il sert celui-là. Bref. Hop. Pas poser de portail au sol. Ah mais d'accord, il sert à poser les portails dessus. Ok. Ah ça c'est bien. Ça c'est très bien. Il fait un petit peu couleur blanche pour poser les portails dessus. D'accord. Oh, oh non, je me suis fait éclater, je l'avais. Putain, je les avais pas vus. Ah, oh, je les avais pas vus les. Ces pistons là. Ah, oh, je suis dégoûté. Mince. Mince. Attention. Là. Oui. C'est réussi. Après, porte. Tu es le démon. Tu es le démon. Bon. Alors. Voyons, réfléchissons. Maintenant, on va dire que j'ai accès quand même à pas mal de choses. Notamment grâce au truc en bas. Ah ben d'accord, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Fallait peut-être mettre ça ici. Voilà, ensuite
revenir et prendre de l'élan et aller dedans et du coup ça va me faire voler. Ah ouais, c'est probable. Attention. On est prêt. J'ai pas me faire éclater et c'est une victoire. Bienvenue au centre d'enrichissement. C'est une victoire totale. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel beaucoup moins. Petit bouton dans le bureau. Supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement, on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive et on fait les expériences. Ok. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, tu veux? On n'a pas beaucoup de portails, là. Ah ouais. Hop. Hop. Ah ouais, pas mal. Regardez ça. Hop. On est par là. Même par... si tu arrives... Non, ça veut pas aller de l'autre côté, attendez. Par exemple. Si. On fait par exemple, je sais pas moi, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Hop. Et maintenant ça va par là-bas. Excellent. C'est ça qu'on voulait. Ce qu'on voulait c'était remonter. Remonter. Attendez. Comment je fais pour remonter, oui, d'ailleurs. Comment je fais pour remonter? On va mettre un portail par là. Ça c'est clair. Mais sinon après ça. Sinon après ça. On a un portail par là-bas. Ça marche pas. Ah si, on peut. Ok, alors on est sorti. D'accord. On est sorti, mission accomplie. Alors on pose ça comme ça. Ensuite on a... Ah on peut pas. Mince. Si on le fait aller comme ça là... pas le faire. Oui, nickel. Voilà, ça fait aller du machin blanc partout. Si on remet, haha, ça m'a fait aller partout. Ok, ça c'est fini. En fait, la sortie, elle est... je sais même pas où elle est. Je crois qu'elle est tout là-bas en haut. Il est chaud ce parcours là. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Comment allons-nous faire, ladies and gentlemen? Hop, attention. Allez. Non, ça ne marche pas du tout. Hein. Ça marche pas du tout. Je voulais sauter tout en haut, mais non, ça ne va pas. Faut que je saute de plus haut. De beaucoup plus haut. Comment? Comment on pourrait faire ça? Ah, j'ai peut-être une idée. Genre en mettant un truc comme ça là. Faisant aller par là-bas. Voilà, c'est aller sur le mur, d'accord, on est d'accord. Même un petit peu plus comme ça, voilà. Ok. C'est aller sur le mur, mince, je voulais pas aller dedans. Après, on refait aller le portail orange. On refait aller encore. On refait aller comme ça. Et on refait aller une dernière fois. Bah allez, encore une dernière. Et maintenant, on peut aller tout en haut comme ça. Ça, c'est bien. Nickel. Et donc, cette fois-ci, il faut peut-être mettre un portail par là. Et puis, directement, sauter là-dedans. Là, ça a marché. Oui. Bien. C'est la fin? J'ai pas mal réfléchi. Quand la vie... Ah, mais d'accord. Ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules. Y'a que ça. Oeil pour oeil, dent pour dent. D'accord. Essaye un peu de te relever. Bon, après. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Cave Johnson. Tu sais qui je suis?
Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Je vais ordonner à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque combat, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis et je le diffuse en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Mais Caroline, c'est GLaDOS. C'est son genre, en fait. Toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir. Forcez-lui la main. Non. J'ai bien compris. Ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Tu veux? Mince. Voilà. Ok, alors. Bon. Bon. Alors. Nous allons peut-être pouvoir. Attendez. Peut-être pouvoir placer. Mince. Comment on va faire? On peut poser des trucs dessus. Ah oui! Bien. Ah, j'ai peut-être compris. Mince. Là-bas. Ok. Alors là, j'ai peut-être compris. On doit mettre peut-être un portail là. Et puis. Un autre là, et sauter dedans pour monter. Allez. Ah, fail. Quasiment réussi. Mince. Ça ne va pas du tout. Donc on va retenter le truc. Allez. Là. Dedans, là. Puis en plaçant un portail, là. Sautant dedans. Youp. C'est fait. Allez, on replace, on retente. C'est parti, attention. Go là, fini, emballé. Après, sauter comme ça dans ce truc là. Non, c'est peut-être pas une bonne idée là. Peut-être pas. Allez, si tu arrives, s'il te plaît, j'arrive. Ah, je suis bloqué, j'arrive plus à ressortir. Voilà. Non, parce que ce que je voulais faire, c'était poser un truc là-bas. On peut pas. Ou un truc là, un portail. Ah non, apparemment ça ne marche pas. Ça ne va pas. Que je réfléchisse. Ah, j'ai compris. Et allez, un portail là. Et ça. Mince. Là, c'est totalement loupé. Mince, bah attendez, j'avais vu une genre de passerelle. Mais c'est beaucoup plus haut. Attendez, c'est beaucoup plus haut, c'est pas bon ça. On va aller sur ça. Ok. Suite. Alors, re-sauter là-dedans. Oh non, mais c'est quoi ce fail? C'est quoi ce fail tout pourrave? Là, on est bien ici. On est très bien. Ensuite. Hop. Yes! C'est une victoire. Alors, peut-être on devait passer par là, ouais, mais bon. Ça a quand même marché mon truc. Nouveau chargement, là on se rapproche de plus en plus de la fin de ces niveaux en souterrain là. Ces grands niveaux. On se rapproche de plus en plus les gars. Et puis je pense qu'on va se laisser ici. Je pense qu'on va se laisser là, ça fait plus d'une heure. Ouais, on va se laisser là. D'accord. Donc voilà, on se laisse là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire, de partager. C'était Golden, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. Bye bye.